Président pas venu parce que il y a des problèmes. Président d'abord Savanet, il a venu Las Carobas. Hélicoptère a un problème, ça veut dire président pas rentrer. Alors, inauguration obligée de reporter pour l'autre date. Malgré nous avons tout ministre, nous avons toute autorité qui l'a, président tient à ce que c'est lui-même qui peut venir inaugurer courant Las Carobas. Dans ce sens, mes amis, en civilisé, nous avons président pas venu, nous annoncer nous. C'est vrai, nous l'avons longtemps, mais le président pas venu. Nous disons tout le monde merci. Son nouvelle critique parce que la population a tapé le président. Depuis hier soir, tout le monde sous depuis a tapé le président. Mais ça qui arrive, il y a des incidents qui sont arrivés. Nous croyons que le président est pour rentrer. Le président n'a pas qu'à rentrer. C'est ça qui fait nous obliger à annoncer que l'inauguration a fait un autre. Parce que le président tient à ce que c'est l'écoute inauguré. J'ai une population campée, la population a tapé pour le bien de la population. Mais malheureusement, le président n'a pas qu'à rentrer aujourd'hui. Il y a des problèmes. L'hélicoptère assemblée a bâti problème. Nous sommes dans un mauvais temps. Nous pensons tout ça à la donne. Le président n'a pas qu'à rentrer aujourd'hui. Nous avons un masse monde qui était déjà réuni sur place là dans Las Carobas. Mon cher, depuis hier soir, population mobilisée parce que vous connaissez un gros problème pour Las Carobas parce que nous n'avons pas de courant ça. Tout c'était souhait tout le monde pour nous gagner courant à partir de courant public. Et l'événement ça, je dis à tout le monde qui veut remercier le président, venir dire autorité, tout le monde qui a participé à la bataille pour gagner courant, tout le monde qui veut exprimer gratitude envers tout le monde. C'est ça que tout le monde s'est réuni aujourd'hui. Le président remet ça, il remet le peuple. Donc chaque fois j'ai une occasion, surtout que nous avons que l'app travail et Las Carobas pas exclu. Donc je pense que c'est un paquet de plaisir pour lui pour venir partager un moment ça avec le peuple Las Carobas. Et c'est qui travaille comme ça qui fait dans le niveau communauté là? Bon, pratiquement, je suis capable de témoigner pendant que je suis sur route là, où est poteau, où est fil là, et puis sous entrer moi-même, m'entrer dans mes rien et puis moi-même, je suis courant, ventilateur, je suis une fraîcheur, tout le bagaille. Donc je crois que ça c'est au bénéfice du peuple Las Carobas grâce à son excellence le président Michel Joseph Martin. À part courant, quel autre travail, l'autre genre de travail qui fait? Bon, à part le courant, où gagne route là qui a planifié sur eux sérieusement. Donc vous censez bientôt comprendre et accès à arriver sous frontière, son bail qui a planifié sérieusement. Dans le cadre du projet de développement, oui, là, je ne peux pas dire grand-chose personnellement, mais nous sommes certains que le président lui-même n'a pas dormi et Las Carobas dans la tête tout le temps et il y a l'autre bail qui a venu. Et nous souhaitons tout que l'autorité locale, yo même a continué chita planifier, projeter pour le développement commun et puis avec le président Nabassé. Nous avons planifié vraiment pour nous recevoir le président. Et dans la ville, là, toute planification est faite déjà, mais on connaît. Le président peut-être a l'autre activité, programme, rendez-vous qu'il a gagné, qui ne permettait pas la présence avec nous. Mais nous confirmer, nous avons pour parler avec le responsable logistique par les nationales et nous faisons part des situations. Jean-Marie l'a présenté et nous plus ou moins comprendre. Et nous espérons que mercredi 8 août là, que nous rencontrer ensemble pour que cette population attend le président. Comment ça, c'est comment l'administration communale a fonctionné? Bon, c'est l'administration communale qui a fonctionné très bien. Et nous avons un cartel vraiment qui est des conseils qui ont fait travail ensemble pour que nous arrivions vraiment à porter les résultats et le président à attendre. Parce que c'est le président qui nomme le cartel municipal. C'est nous fait nommer nous-mêmes le 22 mars 2012. Et nous nommer pour nous faire politique président atterrir. Et c'est job, nous, c'est responsabilité. Qui sont déjà fait depuis déjà installé. Nous, actuellement, là, nous avons construction marché communal Las Carobas là et gain courant là actuellement là qui rentre dans la ville là et gain centre sportif très bientôt qui va démarrer et gain l'autre bagage toujours qui va rentrer dans la ville là. Mais c'est grâce avec président Nouan et bon côté cartel là qui travaille ensemble pour que nous atterrir côté nous arriver.